Salut tout le monde, c'est Tritrix, et aujourd'hui on se retrouve pour du Unturned, les gens. Du Unturned des familles, et du Unturned sur la même map. Donc on s'était trouvé la dernière fois, donc sur Ronfella, ou Ronfella 2. Voilà. Et aujourd'hui, j'avais dit qu'on se retrouverait quand j'allais m'être fait un petit kit de base. Mais voilà qui est fait, les amis. J'ai réussi à me trouver déjà un petit auto modé, vous voyez ici. Le petit resto de pizza qui est quand même cool, quand même. Et je me suis construit une petite maison avec les arbres qui ont autour. Bon, là pour le coup, ils ont repoussé. Je me suis même trouvé une petite porte comme ça en métal. Bon, maison assez simple, pas encore de toit. Je vais trouver un petit lit aussi. Les coffres ici, par contre, je mets les gifs parce que dans la 3.0, il n'y a pas moyen de se craft un coffre. Donc, ça, il a fallu que je me les gifs. Mais pour le reste, j'ai tout fait. Je vais mettre le jour pour m'assurer que la vidéo aille bien. Et regardez ça, mes coffres sont déjà pleins. En plus, c'est les trois seuls que je mettais gifs. Déjà, regardez mon stuff. Sur moi, j'ai pas grand-chose. J'ai gardé... Oh, j'ai un changeur, là. Sur moi, j'ai surtout gardé que de la bouffe, en fait. À part ça, j'ai pas grand chose. J'ai visité, attendez, je vous montre la map. What the fuck. J'ai visité dans le fond, moi je suis ici. On s'était laissé à Trust City. J'ai longé ici, j'étais arrivé là. On est allé aux fermes après. Ensuite, je suis passé par ici pour aller à cette ferme là. Puis je me suis dit que j'allais faire ma maison ici. Je suis ensuite allé ici à Anitown. Je suis passé par Big G Gaze. Et je suis allé au camp militaire qui est là. C'est là que j'ai pu me faire un petit peu de stuff. Donc j'ai visité à peu près toute cette partie-là de la map. Qui est pas... je suis pas allé à Mégaton, par contre. Mais voilà, aujourd'hui je pense que c'est justement là qu'on va aller. On va aller voir Mégaton et Evaxone. Pour voir un petit peu. Puis on va se laisser, on va revenir à notre base ensuite. Anyway, on a un véhicule maintenant, ça va quand même plus vite. On va juste se stuffer. On va prendre une arme. On va se prendre quoi? Vous savez quoi? Je vais prendre ça. J'ai pas beaucoup de balles, mais on va aller visiter les fermes. Et c'est tout. On va partir avec un shotgun. Voilà. On va aller visiter les fermes en espérant trouver un petit peu de... Oh, 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 ma caméra qui fait nip. En espérant trouver des balles de shotgun. Parce que les balles de shotgun, pour même pour le gun, le shotgun modé, ça reste les mêmes que pour les shotguns de base dans le jeu. Ça, je le ramasserai pas. Donc ce serait bien. Wow. Ce serait bien, je pourrais juste trouver quelques balles de shotgun de façon de pouvoir recharger en fait. Puis sinon c'est pas très grave. Ah, un autre sac de couchage. Je n'ai pas vraiment besoin. Oh, une autre tronçonneuse, ça par contre je vais la prendre parce que pour que si un jour je veux me faire un toit, il va me le falloir. J'ai pas l'impression qu'il y ait eu vraiment de loot de shotgun. De munitions de shotgun. Non. Regardez. Il y a ça qui spawn partout en fait. Par exemple, on peut crafter plein de choses en fait. Regardez, on peut se faire des constructions en métal avec ça. Je pense peut-être que dans un futur proche, me faire une maison en métal au lieu d'en bois. À voir. Ça sert à rien, mais c'est pour le prestige. Voilà. Oh. On va essayer de ne pas briser notre petit camion. Donc, on va aller à... À Mégaton. Qu'il faut tourner par là. J'avais un bus mais je l'ai brisé, fait que je pourrais pas vraiment vous le montrer, mais c'est pas grave. Là c'est vrai, c'était vraiment pour vous montrer comment que j'avançais dans la map. Comme j'ai dit, c'est pas un let's play, mais c'est un peu un suivi de ce que j'ai fait.
Ben, de ce que je vais faire sur la map, pour vraiment vous la présenter. Ah merde, fallait tourner. Je vais aussi vous présenter toutes les mises à jour de la map qu'il va y avoir. Là, pour l'instant, c'est vraiment juste... juste vous montrer mon avancement, si vous voulez. Oh, ok, c'est bloqué, en fait, on peut pas y aller. Alors, on peut passer à côté, j'imagine. On va essayer de pas bloquer le véhicule à quelque part. Voilà, puis on va juste se rappeler, on est où? Voilà, on est ici, c'est bon. Go. On va voir ce qu'on peut trouver ici. Jusque là, il n'y a pas de zombies dans la ville. Reste à voir s'il y a du loot. Il n'y a pas de l'air. Je pense qu'en fait, c'est une ville qui n'a pas encore été... Ouais. C'est une ville qui ne doit pas encore avoir été prise en charge, si on veut. En fait, pour ceux qui connaissent le jeu un petit peu... Ah, ok. Par contre, là-dedans, ça a été fait. Pour ceux qui connaissent le jeu, vous savez qu'en fait, la façon que ça marche, les loot et le spawn de zombies, c'est pas comme sur Hunter, par exemple, où c'est juste aléatoire. C'est vraiment la personne qui crée la map va décider où il va y avoir des loot, où il va y avoir des spawns de zombies. Ce qui fait que si la personne n'a pas mis de loot de zombies ou de spawn, à certains endroits, ben, il n'y en aura pas, puis c'est tout en fait. Puis là-bas, ben, en fait, vous avez vu, on est rentré, il n'y avait pas de zombies, il n'y avait rien. C'est tout simplement que la personne qui a fait la map a pas encore inclus les zombies et les loot à cet endroit-là. Chose qui devrait être réglée normalement oh, dans une prochaine map. Je vais changer mes pantalons par des pantalons en meilleur état. Je me demande s'il y aurait juste le petit campement ici. Ah, les balles de shotgun, cool. Ouh là là, la rechargement. Ok. On peut mettre une... On peut pas. Je me demande s'il n'y aurait pas juste le campement qui serait lootable. Puisque le reste de la ville a l'air quand même bien désert. Ouais. Bah, du coup, voilà, il n'y a absolument rien. Du coup, vous savez, dans Mégaton, en fait, la ville est vraiment pas prête. Il y a juste un petit camp militaire au plein milieu de lootable. Voilà. Du coup, on va tout de suite s'en aller à... Attendez, laissez-moi tuer le zombie. Ah. On va tout de suite aller à Evac Zone, voir... merde, j'ai couru. Oh, allez, on s'en va. On va aller voir à Evac Zone s'il n'y aurait pas... des trucs cool. S'il me suit, je vais tirer, non? Ouais, on va aller à Evac Zone. On va voir. En même temps, c'est vrai que la ville est hyper grande. J'imagine que ça doit quand même être assez de la job de taffer avec ça. On va passer par la forêt, je pense, ça va aller plus vite. C'est par là. Allez. Voilà, on se dirige direct devant. C'est vrai, par contre, il faudrait peut-être que je me trouve d'autres véhicules qu'un gros camion de pizza. Ah, c'est là. C'est quoi ça? Comment ça s'appelle? Evac Zone? Ok, ça va être une zone militaire par contre. Ouais. Oh là là, oui, puis un géant zombie. Qu'est-ce qu'on fait les gens? Donc, on va essayer de l'éviter. Il y a un géant zombie, j'aimerais pas me prendre la tête avec. Encore les petits, je peux les gérer, mais... Mais les géants zombies, je suis pas prêt à ce bout. Fait qu'Evac Zone, camp militaire.
comme chandail. Merde, j'ai couru. C'est tellement un réflexe de courir en fait. Ça me fait gros tout. Les zombies sont résistants à ce fuck. Ok, on va essayer, voilà. Ni vu ni connu. Hein. Est-ce qu'il y a du loot? Ouais. Bon, une paire de pantalons pas très belle. C'est pas tout à fait ce qui m'intéresse. Moi, je veux des armes. Oh, regardez. Oh merde, oh, il m'a fait peur la pute. Regardez, j'ai glitché. Oh, il y a plein d'armes. Ok. Attends, attends. Obligé, faut que je tue les zombies. Il y a plein d'armes dedans. Merde, non. Oh, ils font mal. Attends. Je sais. Attends, il m'a fait trop mal. Vous avez vu ça? Ils m'ont enlevé la moitié de ma vie. Oh. Allez, 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 allez. Non, attendez, j'ai pas de bandage. Oh merde. Je fais quoi? Enlève le pantalon. Attends. Ça se découpe pas! Allez, allez, allez! Oh, c'est sérieux là. Oh, les gens, je vais mourir avec vous. Non. Non, 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 non. Non! Ça marche pas. Les gens. Oh, j'ai arrêté de saigner. Oh oui. Oui, 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 oui. Et on se rhabille. J'ai arrêté de saigner. Oh, vous avez vu en fait comment que les zombies sont... J'ai paniqué pendant un moment, j'ai arrêté de parler. Il y a plein d'armes ici. Vous avez vu quand je disais que la base militaire est dangereuse as fuck. C'est ce que je voulais dire. Allez, on s'en va. Allez, on s'en va. On se casse. On va... Oh, wow. On va retourner à ma base, me chercher un petit peu de vie quand même. Mais je suis con, j'ai oublié les bandages avant de partir. On va aller chercher ça. Puis on va continuer un peu ce qu'on faisait. Si j'avais plus d'armes, je me serais peut-être attaqué au géant zombie, mais là pour le coup, en plus j'ai perdu toute ma vie. J'ai voulu me heal pour le bien de la vidéo. On va remettre le jeu aussi pour le bien de la vidéo. Mais ça marchait pas d'accord. Allez, on s'en va. Ok, j'y arrive. J'espère qu'on va plus vite qu'eux. Oui, ça va. On va retourner à la base. Par où? Okay. En gros, faut que j'aille aux fermes, que je pique dans le champ. Tout simplement. Ici, il y a une ville, il y a une ferme. C'est bien, il y a tout écrit, genre. Moi, c'est là, par contre. Je m'arrêterai pas pour quelques fermes. Merde, il y a des créatures. Merde, des bugs. Comment je fais n'importe quoi en ce moment? En vrai, là. Je suis même pas sûr que je m'en vais à bonne place. Mais je vois pas du tout à bonne place moi. C'est par là.
Bon, allez, toujours tout droit, puis on y arrive. Oh, je sens qu'on va être dans la merde. En fait, on n'est pas. J'ai pas mis de chrono. Je sais pas, on est parti peut-être pour 1 heure la vidéo, ça se trouve. Normalement, je continue toujours en ligne droite, je vais y arriver. Je dis bien normalement. Oh! Allez. C'était les cascades du jour. Merde, il y a des classeurs partout encore. Vas-y, fais chier. Notre maison devrait être là. Voilà. Ah merde, j'avais pas fermé la porte ou c'est un bug? Ah, ferme. Voilà. Wow. Les bandages avant tout. Attends. Oh, ça va, j'ai un blood bag au pire. Je sais pas si ça donne combien de vie, mais... Oh, ok, ça va remettre ça. On va regarder les armes qu'on a. Attends, attends. J'ai trouvé plein d'armes. J'ai trouvé un DBV-12. C'est quoi? Regarde les petites balles. Je crois que c'est un shotgun. Ok. J'ai trouvé un... Quoi? C'est un assureur en vrai. Bon, un score réel, voilà. Ok, joli. Ah, joli. Un, si on l'a regardé. La X95. Ah, c'est tout petit. Oh, ça fait du bruit. Et j'ai trouvé une MP5. Ah oui. Oh, ça fait du bruit, l'MP5. Ok, ok, ok. Je vais tout ranger ça. Voilà. Je vais tout ranger, puis on va repartir. Écoutez. Ça, j'en veux pas. Je sais pas pourquoi j'ai ça sur moi, ça non plus. Je vais me give des coffres, par contre. Je vais vous montrer comment en même temps. Slash give le pseudo slash type 3. 128 je crois. Slash on va s'en giver un peu. Voilà. De toute façon j'ai pas vraiment choix de faire ça vu qu'on peut pas les crafter encore. C'est le seul moyen d'avoir des coffres en solo. On va repartir. Oh merde, j'ai fait un bandage dans mon sac. Sérieux. Bon, allez, c'est pas grave. Du coup. Oh merde, j'ai gardé ma MP5 sur moi. Du coup, je suis con. Voilà, on est prêt. Du coup, est-ce qu'on. Où est-ce qu'on va? 1065 mégatonnes, on peut pas y aller. Vac, on y a rien. The Cheese Factory, l'usine de fromage. Oh, il y a un aéroport sur le chemin. Attends, je suis où, là? Non, j'ai complètement dérivé. The Cheese Factory. Écoutez, on pourrait aller voir ça. On va partir d'ici, on va aller là. On va aller... Ouais, allez, on va aller à Cheese Factory. Puis à... On va emmener avec nous ça. Puis ça. On va réparer notre camion. Ah, juste avant. Si j'y arrive. On va réparer, on va essayer d'arrêter dans une gas station, ici. Où est-ce que mon bidon il est plein? Il est vide. Allez, on s'en va voir vers le tout droit. Voilà. C'est parti.
Donc là, vu quand je vous disais que c'était une map qui était quand même beaucoup plus hardcore que PEI par exemple, ou qu'une map que les autres maps auxquelles j'ai joué, ben, vous l'avez vu, les villes sont immenses. Les zombies font oh merde. Les zombies font extrêmement mal. C'est quoi ça là-bas? La Nintendo. Ouais, c'est pas là que je vais aller. Les zombies font extrêmement mal. Le zombie m'a mis une tape. J'étais à 56% de vie, puis il saignait. J'étais mal. Y a un véhicule de police. Vraiment, la map est hardcore à jouer. Mais c'est cool. Parce qu'il y a plein de nouveaux zombies, plein de... attends, c'est la route d'à côté. Il y a plein de nouveaux zombies, plein de nouvelles armes, plein de nouveaux véhicules. Ce qui fait que c'est quand même vraiment cool à jouer, mais la map est dure. C'est pas vraiment une map que je conseillerais à ceux qui viennent de commencer un turn en fait. C'est vraiment plus le genre de map que... oups. C'est vraiment plus le genre de map que je conseillerais aux gens qui ont beaucoup joué en turn déjà. Est-ce que... oui, il y a des zombies, du coup... oh là là, oui. Il n'y en a pas qu'un peu. Oh là là! Oh! Mais en fait, c'est quoi? Oh shit, j'ai un gros. Attends, on va faire quelque chose de drôle. Ok! Oh, ils sont tous bloqués! Oh, oh, oh! Oh, ils ont plus du fromage. Attends, ils sont tous bloqués. Est-ce que si je tire, ça les tue? Oh! Pour le coup, il me reste juste une balle. Il a tué du fromage. Attends, j'ai une idée. Ok, go, on y va. Je veux voir. Ok, en fait, c'est juste une zone où tous les zombies lootent que du fromage. Puis où que c'est tout ce qu'il y a comme loot aussi du fromage, en fait. C'est... ok. C'est étrange, mais bon. Au moins maintenant, on le sait, c'est quoi. Mais c'est spécial. On va... oui, c'est bizarre. On va aller là à Big Gigos. Question de refaire le plein. Oh, merde. J'aimerais ça peut-être me trouver une nouvelle arme de mêlée, une nouvelle hache peut-être. Pour être bien. Et des balles en masse. Des balles de shotgun en masse. En fait, je crois que je vais essayer de farmer ça. Je vais essayer de farmer les balles de shotgun. Ça va encore, c'est des petits zombies gérables. Oh, il m'a là ton bidon. Ça c'est bien. Ça arrive ça aussi des fois, les zombies lag un peu. Comme ça, ils dépopent genre. Ben, ils dépopent pas, mais... ils fixent comme... probablement un problème à régler aussi. Ben, moi ça m'arrange d'ici là. Allez, on va faire le plein.
Un bidon. En fait, les bidons, je les collectionne. Pourquoi ça marche pas? T'es brisé, j'imagine. Je l'avais sûrement trop utilisé. On va... Je sais pas si j'ai le goût d'aller à l'aéroport, vous savez quoi. On va faire ça. On va aller à l'aéroport, puis on verra ce qu'on y trouve. Pas trop loin en plus, ça aurait bien allé en véhicule. Regardez ça. Les véhicules quand même sont vraiment beaux, les nouveaux véhicules d'acheter. C'est autant que là, bon, c'est sûr c'est un camion pizza, mais il est stylé quand même. Je veux dire, il est stylé pour un camion pizza. Ça va. Est-ce que le... Oui, le pont fonctionne bien et je me demande ce qu'il lag ou un truc du genre. Ça va. En gros, c'est toujours tout droit pour arriver à l'aéroport. Hein. C'est au moins là, c'est pas trop compliqué. Encore une fois, pour ceux qui voudraient la map ou les mods, pour ceux qui voudraient la map, elle va être dans la description de la vidéo. Et pour ceux qui voudraient les mods, ils sont sur la page de la map. Du coup, pour ceux qui veulent juste certains modes, comme par exemple les armes ou les véhicules, allez voir le lien de la map pour avoir ces modes-là. Et pour ceux qui veulent la map, bah, c'est dans la description. En gros, tout est dans la description. Autant les modes que... Autant les modes que la map. Reste à voir si la map est mise à jour souvent. Ça me fait penser qu'après... Attends, le pont est brisé là? Oh! Non. Ça me fait penser que... Ah non, ça va. Mais ça me fait penser qu'après la vidéo, je vais aller voir si c'est la dernière fois que le mode a été... que la map a été mise à jour. On va voir si c'est encore mis à jour ou pas. Comme ça, je vais pouvoir vous fixer là-dessus. Ben, c'est cool ça. À mon avis, merde, j'ai déjà un coup. À mon avis, elle est mise à jour souvent. Ouais, on va s'arrêter ici. Mais j'en sais rien, ça reste à prouver. En fait, je suis pas mal sûr qu'elle est mise à jour parce que quand j'ai été chargé, j'ai lu un petit peu. Et le gars qui avait de l'air motivé, avait de l'air content de pouvoir continuer le travail. C'est cool, un blue bag, des médicaments. C'est super bien fait. C'est cool, l'aéroport. Il y a du loot militaire et médical. Ah, un vaccin. Je vais l'utiliser tout de suite, question de mettre bien. Ce, oh, un scope, on prend. Viseur laser. Est-ce que je peux mettre un viseur laser là-dessus? Haha, ok. Je me demande si la map a été mise à jour pour les hélicos et les avions spawn. Je vais aller regarder, j'ai vu un avion là-bas. Je vais aller voir si on peut la conduire. Ça, je n'ai plus de bandana, je l'ai coupé. Petit sac. On va aller voir dans le tour, puis je vais aller voir l'avion. Dans le tour, il y a souvent des armes. Tout au sommet. Oh! Oh, ça a été modifié en haut. Quoi? Pardon? Pardon, monsieur?
Pascal. On va d'abord tirer. Au moins comme ça on s'est averti. Ah les zombies militaires sont tellement résistants. Non. Ok, au revoir. Oui, au revoir. Mais merde. Vite, on se répare la jambe. J'ai toujours ce qu'il faut. Allez, vite. Encore, je vais aller voir l'avion. Pardon. Excusez. Ok. Non, c'est pas les avions qu'on peut conduire, c'est chier. Je prendrai pas l'arme. Ok, on s'en va. Ça, c'est toutes des places en fait que. Ah, y'a du feu. C'est toutes des places que j'étais pas encore venu ici en fait. Là, j'étais un peu en train de découvrir. Ok, je m'en vais. J'ai compris. Allons, on s'en va. Y'a quoi tout droit? Une ville. Ce que je vois, lui, franchement. Bon, allez. Pour le fun de la vidéo, on va aller à la ville, on va revenir, puis je pense qu'on va arrêter ça là. Parce que je pense qu'on va dépasser les 30 minutes de vidéo si ça continue comme ça. Quoique c'est peut-être déjà fait. Comme j'ai dit, moi je suis parti pour découvrir la map un petit peu avec vous. Faire des découvertes avec vous. Ça me va, écoute. La map là comme ça, je sais pas si c'est voulu que ce soit du crush, mais. Oh, il y a quand même un pompier. Ah, du coup j'imagine. Il y a même deux quand même. J'imagine qu'il y a du loot ici. Alors, il y a des zombies, du coup, on peut s'imaginer que ça pop. Il y a l'église là-bas, je vais y aller. Dernière fois, on avait trouvé des belles surprises dans l'église. Est-ce que je me soignerai pas un petit peu? Voyons! Question 2 au moins. Monter notre vie un petit peu. C'est parti. On va looter la ville. Avec combien d'étages? Ça en fait ça a tellement d'étages que la flemme de tout monter. Allez, ça en va. Moi je vous avoue. Merde. Je vous avoue que l'église. Je veux. Je veux l'église, moi. Ah, pile d'épicerie. On ne dit jamais non à ça. J'allais dire, on n'a jamais trop de bouffe, mais c'est faux. J'ai une partie où j'ai trop de bouffe, en fait. J'ai que des pots de bouffe. Je vous laisse imaginer. Quand t'es rendu à 15 coffres de bouffe plein. Mais le problème, c'est que... Quand que... Pendant que je dis ça, justement, on va boire et manger. Le problème, c'est que quand que tu... je voulais pas deux fois boire, mec. C'est que quand t'as tes stats au maximum... ta bouffe ne descend pas très vite. Du coup... t'as pas besoin de tant manger que ça. Allez, on continue. Station de gaz, il y a son bidon. Bon, il est pas en super bon état, mais... En fait, les bidons, c'est qu'on a tout le temps besoin pour remettre du gaz dans votre char. Puis comme c'est quand même assez rare d'en trouver en bon état, ben, c'est toujours mieux d'y prendre quand on en trouve.
J'aime pas comment il drop là. Allez. On va tuer lui, ou peut-être même pas besoin. Allez, ça passe. Je me demande si les églises font tout le temps une grosse dose de loot, de gun comme ça. Je pense que oui, il y a déjà un arme là. Ouais, pas comme l'autre. Il faut là avoir tant de doute que ça ici. Ça va d'abord. C'est pas non plus super cheaté. On va monter en haut voir, mais ça a pas de l'air. Ça va, il n'y a absolument rien. Ouais, il y a un shotgun. Allez. On va regarder s'il y a des munitions parce qu'il y en a, je les veux. Ça n'est pas les moyens en plus. Oh. Allez. Sérieux, je me suis pété une jambe. Moi qui voulais partir en courant. J'ai dans le cul. Je vais juste aller voir ça, c'est le botaniste. Ouais. On va aller voir question de trouver des graines peut-être. Des planteurs, voilà. Je vais pas le poser. Comme ça, on va se faire un petit jardin. J'ai une graine, mais ça va encore. On va essayer de sortir de la ville en toute douceur. Ah, la pharmacie par contre, oui. Je dis jamais non à la pharmacie. Moi. Pour le coup, ça valait pas vraiment la peine. Alors, on s'en va en courant. On sort d'ici, on retourne à la base, puis on arrête ici. Moi je dis on l'a tué. Totalement inutilement. Oui, il y a peut-être une hache par contre ici. Allez, une hache, une hache. Pas de hache. Oh. Oh, c'est ça. Un magasin de musique. Ah, c'est voilà. The Walking Dead, allez. Allez, on s'en va d'ici. J'ai une idée. Quoi? Genre, ils sont pas tous morts. En fait, le camion, je sais pas ce qu'il y a de mieux. Hein. Il tourne pas très vite. Du coup, on est reparti vers la base, on va arriver là-bas, on va ranger ce qu'on a trouvé, puis on va se casser là. Il va en avoir d'autres, des vidéos comme celle-là. Des vidéos où c'est qu'on découvre la map. J'ai peut-être l'intention d'aller là où il fait froid, sur la montagne, où il neige. Peut-être que je le ferai en vidéo, ça peut être intéressant de montrer ça. Ça va aussi changer la facette de gameplay, si on veut. On sera plus sur la route vraiment, on va être dans la neige, ça va changer. Voilà, maintenant, je me suis rendu à ma base. Je vais ranger tout ça, relax, j'ai fait une ellipse pour que ça aille plus vite parce que ça a été long un peu pour vous de revoir encore tout le trajet. Mais voilà. Nous, on va se laisser ici. Moi, je vais ranger mon inventaire en temps et lieu. Et écoutez, si la vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un like, un commentaire, me dire votre avis. N'oubliez pas qu'il y a la map et les mods dans la description pour ceux qui voudraient.
Abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné pour ne pas manquer sur la suite de mes vidéos sur Hunter, où je fais aussi du Smite, où je fais plein d'autres choses. Donc abonnez-vous pour rien manquer. Moi je vous dis, peace tout le monde!